Goedendag en welkom in de tv-studio van Essentia met als gast meneer Yves Verschuren. Goedendag en welkom Dag. meneer Verschuren. Um, u bent managing director bij Essentia en u uh, brengt het duurzaamheidsrapport uit. Um, wat zijn daarin de nieuwigheden? Wel, in het duurzaamheidsrapport van 2013 brengen wij drie belangrijke nieuwigheden. Uh, eerst en vooral brengen wij het rapport online. Uh, wat betekent dat uh, gelijk welke lezer het rapport ook kan downloaden en kan aanpassen aan eigen gebruik. Uh, een tweede nieuwigheid is dat we het rapport brengen in drie talen: het Nederlands, het Frans, maar ook het Engels, gegeven de belangrijke internationale uitstraling van onze industrie. En tenslotte het derde, de derde nieuwigheid, misschien wel de meest belangrijke, uh, is het feit dat het uh, deze keer niet alleen gaat om een Rapport dat terugblikt op de prestaties van de sector in het verleden tot op vandaag, maar zeer belangrijk ook een toekomstvisie in zich draagt van waar deze industrie naartoe wil. Wat zijn de grote uitdagingen waar de maatschappij voor staat, waar de industrie van de chemie en life sciences mee oplossingen voor kan uitwerken. En we hebben ook dat aspect in dit derde rapport zeer expliciet aan het licht willen brengen. Oké. Okay. Quels zijn de elementen die ressorten uit dit rapport? C'est un rapport donc qui se veut non seulement rétrospectif, mais qui également contient une vision vers l'avenir. Euh, et donc, je pense que une partie vraiment cruciale du rapport est de démontrer combien l'industrie de la chimie, des matières plastiques, des sciences de la vie euh, est soucieuse par rapport aux défis que la planète euh, rencontre, mmh. euh, est également soucieuse de chercher à y apporter des solutions. Et je pense que c'est une industrie qui peut le faire et qui peut tenir ce discours d'une manière très crédible, euh, parce que justement, à travers tous les indicateurs qui sont plutôt euh, avec un regard rétrospectif, elle prouve l'énorme progrès qui a déjà été réalisé. Et donc, sur base des progrès réalisés, je pense qu'elle est tout à fait bien placée pour okay. définir ensemble avec les acteurs de la société euh, quels sont les grands défis de demain auxquels cette industrie doit et peut répondre. Okay. Et quel est l'objectif de, de ce rapport Ce rapport finalement a pour objectif de augmenter la visibilité d'un secteur qui reste trop souvent méconnu. Les gens dans la rue, le, les gens autour de nous, la société en général ne, ne comprend pas toujours très bien mais, mais c'est quoi l'industrie de la chimie des sciences de la vie Et donc euh, au travers des différents témoignages qui sont euh, en illustration de ce rapport, nous voulons en fait euh, ramener l'industrie de la chimie des sciences de la vie plus proche des gens, mmh. leur montrer combien elle est importante à articuler les solutions pour le monde de demain. Okay. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications. Vous pouvez trouver d'autres euh, témoignages sur le site d'Essencia. Merci beaucoup pour votre attention.